Mesdames et Messieurs, puis-je vous demander, une fois encore, par respect pour le joueur, d'éviter les flashs. No flash, please. Respect for the players. Thank you very much. Et je vous signale également que l'adversaire de Jean-Michel Sèvres aujourd'hui a remporté les Jeux du Commonwealth en 2010.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mesdames et messieurs, 60 secondes avec Jean-Michel Seyre, pour vous, rien que pour vous. Jean-Michel, merci d'être avec nous. Votre analyse de ce match. Je pense que Yangzi, tout le monde a vu qu'il a un très bon service contre lequel j'ai du mal à retourner son service. Donc derrière, il faisait assez facilement des points. Et bon, une fois que le jeu était ouvert, ça allait plutôt pas mal. C'est dommage que je n'ai pas pu concrétiser une des balles de 7 dans le quatrième, voire gagner peut-être le troisième pour que la bagarre soit un peu plus longue. Ça fait 20 ans qu'on entend des gens rire dans un public très grave, viril. Aujourd'hui, on a des enfants à 80% qui n'appelaient pas le dépanner lorsque vous étiez en cours de l'Euro mondial. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? C'était super, j'aurais aimé jouer un peu plus longtemps, mais ça m'a bien poussé à me battre jusqu'au bout, même si j'étais dans la difficulté. J'espère que les deux derniers sets ont plu à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée de 7 à 77 ans, donc c'est sûr que ça me fait plaisir et qu'il y ait de l'ambiance dans le match. Voilà, vous avez un match très grand champion, Jean-Michel.
Vraiment. Oh.
Thank you.